Bonjour les miss. Donc, je vais répondre aux questions, je vais regrouper mes réponses parce que je les ai mises dans des vidéos différentes à ma foire aux questions. Donc pourquoi Miss Coquelicot? Donc c'est parce que j'ai un tatouage tatoué dans le dos, un coquelicot. J'en ai un aussi au poignet, des petites fleurs. D'où m'est venue la passion pour le maquillage? J'ai toujours été coquette, j'ai toujours aimé ça et c'est un plaisir pour moi et ça a commencé sur Paris et ça s'est amplifié à Bourges. Comme j'étais femme au foyer, pour m'occuper, j'ai créé ma chaîne YouTube et mon blog, Miss Coquelicot. Pourquoi Miss Coquelicot donc s'est répondu? Quel âge a Miquette? Miquette a 12 ans, elle va avoir 13 ans au mois d'août, le 15 août. Comment j'organise mon emploi du temps? Eh bien, c'est tout dans ma tête, avec des calendriers et un calendrier que Pascal nous fait et un calendrier papier avec les dates, les mois qui défilent, qui sont collés sur mon frigo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Ma perte de poids, donc j'ai perdu 26 kilos. Donc, je suis contente, je mange équilibré, je mange et je mange en fait quand j'ai faim. Voilà. Mais quand même à des heures régulières, hein. À midi, je vais me faire des pâtes, par exemple. Hier soir, je me suis mangé une salade avec un cake au thon et aux tomates que j'ai fait avant-hier soir. Et ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger, cake au thon. Encore, il faut que je le finisse avec de la salade. C'est bon, la salade. J'ai mangé du melon. Hier soir, j'ai mangé des fraises. Il faut manger des fruits. Ah, Miquette, elle doit aller dans la salle à cuisine. Miquette, c'est la reine de la maison. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Ben, c'est tout. J'ai réfléchi. Oui, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me reposer des questions sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. J'ai tout mon temps. Voilà, Miquette. Donc, je me suis recouchée ce matin. J'ai dormi 2 heures. Là, ça m'a fait du bien. Là, je ne vais pas avoir brûlé mon nombre de calories. Ah, 40% quand même. Ah, ben, je vais y arriver. Donc, je vais vous montrer. J'ai tourné deux vidéos, du coup, ce matin. 3 vidéos aujourd'hui. C'est pas mal. Ce soir, avant de me coucher, une demi-heure avant de me coucher, une heure avant de me coucher, je vais me faire un masque anti-poche avec mon masque au concombre de chez Sephora pour les yeux.
Vous savez, c'est les petites languettes qu'on met là sur les poches. Comme ça, j'ai économisé de l'anti-cerne. Voulez voir mon masque? Sephora apaisant poche, masque yeux concombre, 91% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle, patch de biocellulose d'origine végétale. Alors, grâce à sa teneur en vitamines et minéraux, le concombre est idéal pour réconforter les peaux délicates. Des patchs en biocellulose d'origine végétale ultra fin et super absorbant pour une meilleure pénétration des actifs. C'est efficace, réduit visiblement l'apparence des poches, réconforte la peau délicate du contour de l'œil pour un regard frais et détendu. Conseil d'utilisation, oui, Miquette, qu'est-ce que tu veux? Placez-les au réfrigérateur avant ouverture pour un effet rafraîchissant. Retirez un film protecteur. Placez le patch comme sur le schéma. Retirez les deux autres films et appliquez le second patch. Laissez agir 5 minutes, retirez et faites pénétrer l'excédent. Inutile de rincer. Donc voilà, c'est ces patchs-là. Je les ai depuis des années, moi. J'avais fait le stock, j'avais un stock de masques. Donc je l'ai mis au frigo ce matin et je vais l'utiliser cet après-midi ou ce soir, devant ma télé ou en mangeant. Ils mettent 5 minutes, mais moi je les laisse plus longtemps que ça. Voilà. 2 fois par semaine, c'est marqué. Moi, je le fais une fois par semaine. Voilà, je vais le remettre au frigo. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire de beau de votre semaine? Il fait un temps pourri toute la semaine ici à Nevers. Samedi, je vais chez le coiffeur. Vendredi matin, j'ai l'infirmière qui passe. J'espère que je ne vais pas louper encore son passage. Hier, j'ai le monsieur Nièvre Habitat qui est passé me réparer mon interphone. Ça sonne, ça marche. Alors, il m'a dit qu'elle s'était trompée de numéro d'appartement ou qu'elle n'avait pas voulu se fatiguer à venir et qu'elle n'était pas passée. Je la rappelle pas parce que son numéro déconne, ça va chez une dame de la Marne, j'ai pas envie d'embêter la dame. Or, je lui ai dit à mon infirmière de me téléphoner avant de passer. Ben voilà. Bon, ben je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy!